Ce matin-là, dans ce pavillon de Malakoff en région parisienne, une famille est partagée entre colère et incompréhension. Nous sommes chez les Orquin, Jérôme, Mélissa et leurs deux enfants. T'as une tasse, Evan ? Jérôme est steward pour une grande compagnie aérienne, Mélissa, femme au foyer. Leurs revenus s'élèvent à 3500 euros par mois. Vous avez des devoirs ou pas ? Non, moi j'ai pas de devoirs. La famille ne manque de rien, mais depuis quelques années, ils s'inquiètent pour leurs finances. Car une fois par an, lorsque le couple reçoit ses impôts locaux, le constat est inquiétant. La taxe d'habitation et la taxe foncière. Propriétaires de leur pavillon, Jérôme et Mélissa ont vu leur taxe foncière s'envoler. On passe de 1062 euros en 2008 à 1320 euros en 2014. Ça fait 25% d'augmentation. 25% de plus en 6 ans. Une taxe foncière qui décolle. Mais la plus mauvaise surprise vient d'un deuxième impôt, la taxe d'habitation, acquittée par n'importe quel occupant d'un logement. Pour Jérôme et Mélissa, elle a carrément explosé. On était à 399 euros en 2008. Et en 2014, je suis à 619. Ça fait une augmentation de plus de 50%. Voilà, 55% d'augmentation. Ces taxes, versées aux communes, financent les écoles, les crèches ou l'entretien des routes. Mais pour ce couple qui vit dans cette commune depuis toujours, rien ne justifie de telles augmentations. Nous, chaque année, notre quotidien, il ne change pas. Donc les taxes augmentent, mais pourquoi, on ne sait pas. Dans mon cas, depuis 3 ans, j'ai un gel de salaire. Depuis 2013, mon salaire n'augmente pas. Voilà, ça impacte sur les autres budgets. Les sorties, tous les voyages à la maison, les travaux de la maison, les choses comme ça, on ne peut pas faire. Je pense que payer des taxes, c'est un peu normal, mais enfin là, c'est même plus normal, là, c'est abusé. Comme Jérôme et Mélissa, de nombreux Français ont vu leurs taxes locales grimper en flèche cette année, réduisant leur pouvoir d'achat. Et à chaque hausse d'impôts, ils se posent la même question. Mais comment est utilisé tout cet argent, alors que tous les ans, l'État promet d'alléger la facture? Cette année encore, malgré les promesses de pause fiscale, les impôts font la une de l'actualité. Et notamment les impôts locaux, qui flambent comme jamais. À Strasbourg, Tours, Bordeaux, de 3 à 5% de hausse, comme à Marseille et Lyon. À Lille, c'est 10% et le record, plus 15% à Toulouse. Et c'est sans compter l'impôt sur le revenu qui ne va pas baisser pour un contribuable sur deux. Une pression fiscale qui s'accentue malgré le ras-le-bol des Français. Car l'État doit faire face à ses dépenses. Des milliards d'euros pour payer tout d'abord ses fonctionnaires, toujours plus nombreux chaque année. Ils sont deux fois plus chez nous qu'en Allemagne, par exemple. Alors, du faste des grands palais de la République au petit village de province, nous avons enquêté aux quatre coins de la France pour comprendre comment nos impôts sont dépensés. Et tandis que l'État demande aux Français de se serrer la ceinture, donne-t-il lui-même l'exemple? Efficacité des fonctionnaires, train de vie des élus, grands travaux dans les coulisses de l'État, enquête sur l'utilisation de nos impôts. On ne le sait pas forcément, mais une grande partie de nos impôts sert à payer en premier lieu le personnel de la République, la paye des fonctionnaires. Des policiers, des profs ou des employés municipaux, plus de 5 millions d'agents, et il y en a de plus en plus au fil des années. Ils pèsent très lourd dans les comptes de la République, 82 milliards d'euros, c'est 30% du budget. Alors est-il justifié qu'ils soient si nombreux ? Pour répondre à cette question, nous avons enquêté dans l'une des administrations les plus utilisées par les Français. Nous sommes à Toulouse, en Haute-Garonne, et cet immense bâtiment avec sa tour de contrôle, c'est le siège d'un établissement public parmi les plus célèbres du pays. Il se manifeste tous les matins sur toutes les radios de France. C'est la météo. Oui, les éclaircies vont l'emporter sur les passages nuageux aujourd'hui. Ça fera toute la différence par rapport à hier. Et du coup, les températures vont grimper 2-3 degrés de plus dans la moitié nord. Bienvenue chez Météo France, l'un des plus gros effectifs de la fonction publique. Dans ce centre de contrôle hyper moderne,
ils sont plus de 1200 prévisionnistes, climatologues et techniciens en tout genre à scruter le ciel. Et ce n'est pas tout, dans toute la France, ils sont plus d'un millier aussi à travailler dans des antennes locales. Au total, 3500 personnes, tous fonctionnaires. Mais a-t-on vraiment besoin d'autant de monde pour prévoir le temps qu'il fera demain ? Notre enquête nous mène à Bourges, dans le centre de la France. Comme chaque matin, Alain prend son service. Et ça commence toujours par un petit tour sur la terrasse. Sa mission, scruter les nuages. Là aujourd'hui, pas de problème, on voit bien la lune, il n'y a rien. Le ciel est complètement clair. Et pour prévoir la météo du département, Alain n'est pas tout seul. Dans cette station locale, il y a une dizaine de fonctionnaires. Un directeur, Philippe, mais aussi une commerciale, Nicole. Sans oublier deux techniciens et pas moins de quatre prévisionnistes, comme Alain, de service ce matin-là. Bonjour Philippe, ça va, oui. Bon, très bien. Alors, c'est une situation. Bon, c'est calme pour aujourd'hui. Des bureaux comme celui-là, Météo France en entretient 55 dans tout le pays. C'est la moitié de ses effectifs. Et à l'origine, avoir des agents un peu partout, c'était indispensable. Pour le comprendre, il faut remonter au 19e siècle, quand l'empereur Napoléon III décide de créer le premier service public de la météo. À l'époque, la seule solution pour prévoir le temps, c'est de quadriller la France avec une armée de fonctionnaires, les yeux rivés sur le ciel. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, dès que retentit son alarme, Alain va faire un petit tour sur sa terrasse pour surveiller la course des nuages. Donc là, on voit apparaître les premiers cumulus. Et puis, on voit déjà le voile de cirrus se densifier, ce qui nous montre que la perturbation s'approche lentement du département. Sauf qu'aujourd'hui, la technique a un peu évolué depuis Napoléon III. Sur la pelouse, au pied de la station, il y a toute une batterie d'instruments qui permettent de prévoir la météo sans lever le nez au ciel. Par exemple, en mesurant la pluie qui est tombée. Ce qui fait office de pluviomètre officiel, c'est celui-ci. Les mesures sont réalisées en continu, avec une précision de 0,2 mm. Des instruments tout automatiques et connectés à des satellites. Alors a-t-on encore besoin de gens comme Alain sur place ? Vous allez voir que ce n'est pas si sûr. Bourges, bonjour. À 10h, comme tous les jours, c'est la téléconférence avec la direction régionale, le grand bureau Île-de-France Centre, qui chapeaute la locale de Bourges et une dizaine d'autres départements. Bonjour à tous, Orléans est là. Oui, bonjour, je suis là. Et vous allez le voir, si la région appelle Alain, ce n'est pas pour lui demander le temps qu'il va faire. En fait, elle le sait déjà. Aujourd'hui, comme je dis dans le message, c'est un peu une journée de transition. Il n'y a pas vraiment de perturbation. Le patron de la région n'a pas attendu les prévisions d'Alain, car en fait, lui aussi a reçu toutes les données envoyées par les appareils de mesure. Résultat, Alain écoute religieusement le bulletin. Pas grand-chose à ajouter. C'est bon, alors si personne n'a quelque chose à ajouter, donc je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, une question se pose. Météo France a-t-elle vraiment besoin de 50 bureaux locaux comme celui-ci ? Nous avons posé la question à Philippe, le directeur. Si on supprimait les antennes départementales, est-ce que Météo France pourrait continuer à assurer ses services ? À partir du moment où on a des stations automatiques, où on peut visualiser à distance, certes, mais il y a un compromis à trouver. De toute façon, à un moment donné, il y a toujours un compromis à trouver. L'expertise humaine est importante. Sauf que l'expertise humaine à Météo France pèse de moins en moins lourd. Pendant qu'Alain continue de scruter le ciel, à 500 km de là, à Toulouse, au siège national, ses collègues travaillent avec les dernières technologies. Salut Jean-Paul. Bonjour. Ça va ? Oui. Fabrice, lui aussi, est l'un des 3500 fonctionnaires de cette énorme machine de l'État. Alors, dis-moi tout de ce qui s'est passé cette nuit. Seulement, pour lui, pas besoin de sortir sur la terrasse pour deviner le temps qu'il va faire. D'abord, depuis son écran, Fabrice a accès à toutes sortes d'images satellites qui, depuis l'espace, lui permettent de suivre en direct la course d'un anticyclone ou d'un nuage avec une précision à 1 km près.
Là, par exemple, ce que je suis en train de regarder, c'est celui qui a une résolution fine de 1,3 km. Vous voyez, il y a tous ces petits points là. La restitution des nuages est très très fine. Et puis surtout, Fabrice a accès instantanément à toutes les stations automatiques qui quadrillent le pays. Il y en a plus de 500 à travers la France, comme souvenez-vous celle d'Alain à Bourges. Est-ce que vous pouvez nous dire quel temps il fait à Bourges, par exemple ? Oui, bien sûr. Il est possible de faire une visualisation des différentes déclinaisons locales. Température, humidité, direction du vent, ça fait beaucoup de données en même temps. Et pour l'aider dans ses calculs, vous allez voir que Fabrice dispose d'un collègue hyper rapide qui va lui donner un coup de main et sortir son bulletin météo en quelques minutes. Ce petit surdoué, Jean-Marie Carrière, le directeur du centre, l'a installé un peu à part, au bout de ce couloir. Derrière cette porte blindée, voici le super calculateur de Météo France. Un bijou à 30 millions d'euros, bichonné au quotidien. Bonjour Jean-Marie. Ça va ? Très bien. Centre de calcul tourne bien. Le super ordinateur de Météo France est plus rapide que n'importe quel prévisionniste maison. Derrière tous ces clignotants, cette bête de calcul est capable d'effectuer plus d'un million de milliards d'opérations par seconde. Je vais te montrer la zone où on a prévu d'installer l'extension du calculateur. Un super ordinateur, l'équivalent de 10 000 PC reliés les uns aux autres, où sont compilées des années d'archives météo. Les prévisionnistes n'ont plus qu'à entrer les observations satellites ou les températures du jour. Le calculateur va les comparer aux années passées et proposer une prévision quasi infaillible. Sur des phénomènes d'un petit peu grande échelle, où c'est quasiment 100% des perturbations sont prévisibles à 24 heures d'échéance. On veut savoir quelle sera la prévision de température à Toulouse à 24 heures, la précision est de l'ordre de 1 degré. Et voilà donc comment, en quelques minutes, Fabrice se retrouve avec un bulletin météo hyper détaillé, et pour toutes les régions de France. Et au moment d'appeler ses bureaux régionaux, en réalité, il ne fait que confirmer des prévisions qu'il connaît déjà. C'est parti pour la grande téléconférence du matin. Bonjour, Toulouse est en ligne. Oui, bonjour. Salut. Fabrice appelle les 7 bureaux régionaux pour leur demander leur avis sur ce que le super ordinateur a prévu dans leur zone. Oui, mais comme tu l'as dit, je suis globalement d'accord avec toi. Ok, donc ça te convient très bien. On va vers Strasbourg. Seul le correspondant de Strasbourg, ce matin-là, demandera une très légère modification sur la pluie prévue pour le lendemain. Pour demain, vu que l'après-midi, là, tu nous as mis un risque d'averse en noir. Quand je vois que pour aujourd'hui, on n'en a déjà pas trop mis, je pense que le risque est quand même plus faible demain. Donc, je vais passer au violet pour mes petits reliefs du Jura. Non, problème, ce que je vais faire, c'est que je vais le décaler. Quelques gouttes de pluie en moins sur le Jura. Et dans quelques minutes, Fabrice pourra envoyer ses prévisions météo au grand public. Et voilà donc comment la technologie de pointe a fini par cantonner des centaines de fonctionnaires basés sur le terrain à valider des prévisions calculées par ordinateur. D'ailleurs, leur grand patron l'admet, beaucoup d'entre eux, notamment dans les départements, se retrouvent aujourd'hui en surnombre. Donc au niveau de la prévision, avec l'évolution des moyens technologiques, il n'y a plus besoin de ces centres départementaux. Effectivement, on n'a plus besoin directement que les prévisions soient réanalysées au niveau départemental. Pour la partie vraiment la plus amont de la prévision, le travail est réalisé entre Toulouse qui fournit un cadrage et puis les centres régionaux qui affinent à l'échelle des régions. Mais d'après Jean-Marie Carrière, les antennes locales auraient encore une utilité. Et puis surtout, je vous parlais de consultance et de prévision conseil. Apporter ce service aux clients, ça c'est quelque chose qui ne s'automatise pas. Et on a besoin du réseau territorial de Météo France pour ça. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas entièrement se passer d'un réseau territorial. De la prévision conseil, ce serait donc la nouvelle mission des bureaux départementaux. Mais de quoi s'agit-il au juste ? Effectivement, à Bourges, Alain a un bulletin météo un peu particulier à écrire chaque jour. Il s'agit de prévisions très locales, avec des infos que pourront utiliser les agriculteurs notamment. Ce matin-là, Alain s'attarde par exemple sur le vent qui va s'orienter sud-sud-ouest sur la Marche Berrichonne, une petite région à 60 km de Bourges.
ce bulletin va être lu ensuite par une voix automatique sur la ligne téléphonique de Météo France. Nous l'avons consulté. Voici votre bulletin de prévision pour le département du Cher, rédigé par un prévisionniste de Météo France. On peut donc y entendre les prévisions très locales qu'Alain vient de rédiger. Cet après-midi, des nuages élevés progressent au-dessus du Berry. Néanmoins, nous conservons une impression de beau temps, d'autant plus que les thermomètres affichent des valeurs de saison. Un appel payant, facturé 1,35€ puis 34 centimes par minute. Le problème, c'est qu'à l'heure d'Internet, de nombreux sites proposent des prévisions tout aussi précises, mais surtout gratuites. À commencer par celui de Météo France. Dans la région dont s'occupe Alain, on peut obtenir des infos sur le moindre village. Prenons par exemple Aigurande, une petite bourgade de 1500 habitants dans la fameuse Marche Berrichonne qu'il évoquait dans son bulletin. Sur le site, on peut consulter dans le détail la température, le temps, l'indice UV et même la vitesse et la direction du vent. Et en dessous, heure par heure, et encore plus précis, les risques de pluie ou d'orage sur Aigurande. Pourtant, selon Alain, son bulletin téléphonique est bien plus précis que tous ses pictogrammes. Par exemple, si vous voyez ce pictogramme avec les orages, on sait que sur cette période-là, on a un risque orageux. Bon, mais vous ne savez pas quelle va être véritablement l'intensité, comment ça va se comporter. On va apporter des détails, là. Plus de détails, exactement. Par la parole, vous pouvez apporter ce que le pictogramme, le dessin ne peut pas donner. Mais visiblement, ça ne suffit pas à faire la différence. Résultat, il n'y a pas grand monde qui vient consulter son serveur téléphonique. D'ailleurs, Alain le reconnaît. Effectivement, il y a de moins en moins d'appels, parce que c'est vrai que la tendance maintenant est de consulter les prévisions sur Internet, sur le téléphone, enfin, sur le téléphone dont j'entends par là, par Internet. En tout cas, au siège de Météo France, à Toulouse, la question a été tranchée. Entretenir un réseau d'agences locales dans tout le pays est désormais considéré comme une dépense inutile. Mais si Météo France a déjà rayé de la carte une vingtaine de petits bureaux locaux, elle se retrouve aujourd'hui avec des agents qu'il faut recaser dans d'autres services. Impossible de les licencier, car ils sont protégés par leur statut de fonctionnaire. Météo France a un problème de sureffectif quasi insoluble. Si vous le vouliez, vous ne pourriez pas faire plus. En l'état, ça paraît difficile sans devoir vraiment remettre en cause le statut des agents. Ou le statut des agents, effectivement. Mais ça, c'est pas une question qui est à l'ordre du jour à l'heure actuelle. Des agents inamovibles, qui à eux seuls représentent 70% du budget de Météo France, 400 millions d'euros versés chaque année par le contribuable. Et le plus préoccupant, c'est que des administrations publiques comme celle-là, il en existerait des dizaines. Il y a quelques mois, ce rapport du gouvernement les pointait du doigt. Il existe près de 600 agences et opérateurs qui fonctionnent aux frais de l'État. Certains sont très connus, comme Pôle emploi ou justement Météo France. D'autres, beaucoup moins. Avez-vous déjà entendu parler, par exemple, du service technique des remontées mécaniques, censé surveiller les funiculaires et autres téléphériques? Ou encore de l'Agence nationale des chèques vacances pour favoriser le départ en congé des salariés. Ces agences emploient au total 400 000 fonctionnaires et elles coûtent pas moins de 50 milliards d'euros chaque année aux Français. D'ailleurs, en 2012, l'Inspection générale des finances dénonçait leurs effectifs pléthoriques à l'efficacité douteuse. Et parmi ces administrations, il y en a une qui a été créée il y a quelques années avec les meilleures intentions. Au départ, l'objectif était de faire des économies dans le budget de l'État. Sauf que vous allez le voir, à l'arrivée, le résultat est un véritable gouffre financier. L'une des dépenses les plus lourdes de l'État, c'est donc la paye de ses agents. Un vrai casse-tête qui se reproduit à chaque fin de mois dans tout le pays. Pour s'en rendre compte, nous nous sommes rendus à Fontainebleau. Voici le plus grand hôpital de la région, un service public qui emploie 1300 fonctionnaires. Médecins, infirmières ou sages-femmes, en France, ils sont plus d'un million de blouses blanches à travailler pour l'administration hospitalière. Coucou, ça va ? Oui. Marie-Laure, elle, est employée à la direction des ressources humaines de l'hôpital. C'est bon, à compte demandé,
Je vois avec la trésor vendredi pour voir si c'est OK. Entendu, c'est parfait. Avec sa collègue, elles sont deux pour gérer à plein temps la paye de tous ses fonctionnaires. Et pour Marie-Laure, chaque jour, c'est l'enfer. Car dans la fonction publique, en plus du salaire de base, il faut jongler avec beaucoup d'autres chiffres, à commencer par les heures supplémentaires. Donc là, il a commencé samedi à 19h30. Donc comme il y a la lettre C, ça veut dire qu'il fait 12 heures. Et pour corser l'exercice, Marie-Laure doit aussi composer avec tout un système de primes très complexe. L'administration française en compte des centaines. Il y a une indemnité de résidence, une prime de suggestion, certaines primes forfaitaires, des indemnités de chaussures. Résultat, au milieu de tout ça, Marie-Laure galère pour chacune des 1300 fiches de salaire. D'autant qu'elle doit rentrer tous ces détails à la main dans l'ordinateur, car les logiciels de l'administration ne sont pas tous compatibles entre eux. Ça vous ferait gagner combien de temps justement de pas rentrer manuellement tout ce que vous avez rentré comme information, de faire du cas par cas et que ce soit un peu plus automatisé? Au niveau des saisies, ça nous ferait gagner la moitié du temps. Parce que c'est comme on a tout le calcul plus la saisie, on gagnerait la moitié de notre temps actuellement. Et le problème, c'est que bien souvent, c'est le même casse-tête dans toute la fonction publique. Alors, pour simplifier tout cela, et surtout économiser des millions d'euros dans les DRH de l'administration, l'État a décidé de créer une agence, l'un de ces fameux organismes méconnus des Français. En 2007, c'est donc ici, dans cet immeuble en plein Paris, que 500 fonctionnaires se mettent au travail. L'agence est baptisée ONP, pour Opérateur National de Paye. Son objectif ? Simplifier la paye dans toute la fonction publique et harmoniser les fameux logiciels qui posent problème. À la clé, une économie annoncée de 200 millions d'euros. Sauf que l'an dernier, catastrophe, on apprend que l'État abandonne le projet. Un abandon brutal qui va pousser les sénateurs à demander des comptes aux responsables de l'agence. C'est Jacques Marzin, le patron de tous les services informatiques de l'État, qui est auditionné. Sommet de s'expliquer sur l'échec de l'agence. Et voici ce qu'il avance. Des difficultés sont apparues dans plusieurs ministères concernant le raccordement au calculateur national, qui ont débouché sur des annonces de décalage temporel. En clair, un très gros bug. Et quand les sénateurs demandent à Jacques Marzin de chiffrer les sommes investies dans ce projet inabouti, il annonce une somme colossale. La somme de 1,2 milliard d'euros d'investissement pur s'entend sur la globalité du programme. Il s'agit des coûts complets qui comprennent les dépenses de personnel de l'administration, la maintenance et les acquisitions de matériel. Plus d'1,2 milliard d'euros dépensés pour rien. Pour comprendre comment une agence de l'État a pu débourser autant d'argent en pure perte, nous sommes allés voir un spécialiste qui connaît ce dossier comme personne. Reynald Fléchot est journaliste pour ce site internet spécialisé dans l'informatique. Bonjour. Durant des mois, il a suivi cette affaire de très près. Un échec retentissant qui, selon Reynald, était prévisible dès le départ. Je terminerai le papier sur les antivirus dans la journée. En effet, le projet a été développé pendant des mois, loin des méthodes habituelles. À l'origine, les 500 fonctionnaires de l'ONP devaient plancher sur un modèle de super logiciel. Un modèle que d'autres équipes basées dans les plus grands ministères qui chapeautent l'administration auraient ensuite adapté. Sauf que chacun a travaillé dans son coin, sans trop se parler, et surtout en même temps. On a voulu mener le projet ONP, donc le développement du logiciel qui est ici, avec les travaux d'aménagement de tous les logiciels qui doivent lui parler, doivent dialoguer avec ce logiciel central. Et ça, on ne fait pas ça d'habitude en informatique. D'habitude, on termine un premier projet et ensuite on fait les autres pour être bien sûr des interfaces, autrement dit, de la manière dont on va pouvoir parler avec le projet central. Le résultat de ce cafouillage, un super logiciel de paye qui, après 7 ans, n'a finalement jamais servi. Il y a bien un logiciel qui existe, mais qui est totalement inutile. D'ailleurs, il est tellement inutile qu'il a été, dans la comptabilité de l'État, il a été ramené à l'euro symbolique. Donc ça veut dire que ça, aujourd'hui, ça vaut 1 euro. À ce jour, et après de multiples reports, aucun des ministères qui devait se connecter à l'ONP n'y est parvenu. Au bout du compte, voilà donc comment cette usine à gaz qui a coûté près d'1,3 milliard aux Français
ne vaut plus aujourd'hui qu'un euro. Nous avons donc décidé d'enquêter plus avant sur ce gouffre financier auprès du ministère chargé du dossier, celui de l'économie à Bercy. Et en fouillant un peu, surprise, voilà ce que nous avons découvert. Malgré ce fiasco, le projet est relancé. En effet, en février dernier, Bercy a discrètement créé une nouvelle agence pour poursuivre le travail. Son nom, le Centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines. Nous avons donc appelé le ministère, dont ce centre dépend, pour pouvoir y tourner. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Je cherche à joindre le Centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines, s'il vous plaît. Après un petit moment d'attente... Madame, merci d'avoir patienté. Ça y est, en fait, j'ai eu tout à coup l'eureka. Centre interministériel et services informatiques en matière de ressources humaines. Oui, anciennement, ça s'appelle l'Office national de paye, ce qui était beaucoup plus simple. C'est ça. Je vous mets en relation. Bonne journée, au revoir madame. Bonne journée à vous, au revoir. Finalement, nous atterrissons au service communication de Bercy. Vous connaissez ce centre-là ? Non, je connais pas. D'accord, je vous envoie un mail tout de suite. Malgré nos demandes de tournage, nous n'avons jamais eu de réponse. Mais en poussant notre enquête, nous avons découvert que non seulement l'ONP reprenait du service, mais qu'en plus, elle recrutait. On trouve même des offres d'emploi comme celle-ci pour un poste de responsable juridique. Alors, nous avons décidé de tenter notre chance en nous faisant passer pour un étudiant à la recherche d'un stage. Ce matin-là, nous nous présentons à l'adresse indiquée en caméra cachée. Merci. Je cherche à joindre monsieur... C'est l'un des dirigeants de l'agence qui nous reçoit et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Tout de suite sur D8, la suite d'enquête d'actualité. Vous allez voir comment l'État est en train de relancer un énorme projet qui, pourtant, a déjà coûté plus d'un milliard d'euros aux Français en pure perte. C'est le plus gros projet quasiment d'Europe, voire du monde, hein, de paye. C'est très longue haleine, ce genre de projet. Dans les palais de la République, nous avons aussi découvert que certains hauts fonctionnaires bénéficient de postes très bien rémunérés, mais dont l'utilité peut parfois poser question. On pourra en supprimer les trois quarts. Si vous voulez, beaucoup de gens se contentent de faire semblant. Nous avons également pu pénétrer dans les coulisses de l'une des plus grandes institutions du pays, l'Académie française. Et vous verrez que l'argent de l'État sert notamment à financer des appartements de fonction et des avantages en nature très confortables. Ils ne payent pas de loyer, ils ne payent évidemment pas l'électricité, pas les transports, ils ont des voitures avec chauffeur. Quasiment tout est payé. En poussant notre enquête, nous avons découvert que non seulement l'ONP reprenait du service, mais qu'en plus elle recrutait. On trouve même des offres d'emploi comme celle-ci pour un poste de responsable juridique. Alors, nous avons décidé de tenter notre chance en nous faisant passer pour un étudiant à la recherche d'un stage. Ce matin-là, nous nous présentons à l'adresse indiquée en caméra cachée. Merci. Je cherche à joindre monsieur... C'est l'un des dirigeants de l'agence qui nous reçoit. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Yeah. C'est pour un stage, en fait, je suis très intéressée. Et d'autant plus que je sais que c'est nouveau ici. Enfin, c'est nouveau, non, c'est le prolongement de quelque chose d'ancien. Ce cadre nous le confirme. Malgré le milliard d'euros gaspillé, le fameux opérateur national de paye existe toujours. Officiellement sous une autre forme, mais à la même adresse. Nous découvrons donc cette agence où travaillent aujourd'hui 130 personnes. Donc vous êtes en première année ? Oui. L'entretien commence pour nous présenter le stage. Nous posons quelques questions, mais très vite, ce dirigeant va nous livrer des infos sur l'objectif de cette agence nouvellement créée. C'est le plus gros projet quasiment d'Europe, voire du monde, hein, de paye. On est toujours en quête de modernisation, de savoir comment faire mieux à moins cher, comment simplifier les choses pour les contribuables. De bonnes intentions, mais c'est ni plus ni moins la même mission qui avait été confiée à l'ONP en 2007. Et notre interlocuteur qui participe à l'aventure depuis le début va vite nous faire comprendre pourquoi le projet traîne depuis des années. Le décret de 2007, alors après 2008 on constitue les équipes, 2009 on monte en puissance, 2010 on commence à... Voilà, c'est très longue haleine ce genre de projet. Selon lui, l'ONP n'a finalement jamais réussi à simplifier la paye des fonctionnaires. Notamment parce que l'agence a buté sur le fameux système des primes, celui auquel est confrontée Marie-Laure, souvenez-vous, à l'hôpital de Fontainebleau.
Des primes, on en compte plus de 1800 dans la fonction publique. Il y a des primes pour les trois gardiens de phare qui restent, qui sont fonctionnaires, les quatre bûcherons dans les Ardennes, qui sont à 2 ans de la retraite, mais ils sont encore là, ils sont payés, ils sont encore fonctionnaires, parce qu'à l'époque, à l'agriculture, il y en avait. Bon, enfin bref, des choses comme ça. Donc il faut supprimer tout ça, rationaliser tout ça. Mais pourquoi continuer si ça ne marche pas ? Pour ce dirigeant, tout cet argent n'a pas été dépensé pour rien, même avec une ardoise de plus d'un milliard d'euros. Mais oui, c'était pas acheté, hein, forcément, puisqu'on retient le bienfait des échecs. Donc il y a beaucoup de choses qui ont permis d'être. D'ailleurs, sinon, on n'existerait plus, si ça n'intéressait pas l'État. L'État, bien décidé à relancer le projet. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Un nouveau budget de 20 millions d'euros vient d'être débloqué pour faire tourner cette agence nouvelle version et pour tenter enfin de simplifier la paye des fonctionnaires. Près d'1,3 milliard d'euros sont donc partis en fumée alors que l'État ne cesse de demander aux Français de se serrer la ceinture. Mais ceux-là même qui donnent des leçons montrent-ils l'exemple ? Dans les plus grands ministères, les hauts fonctionnaires font-ils tous des efforts pour économiser notre argent ? Nous avons découvert que la réalité est parfois bien éloignée des discours. Pour nous en rendre compte, nous avons poussé la porte du Sénat. Car ici, dans l'un des plus fastueux palais de la République, une élue ne cesse de se battre pour en savoir plus sur une poignée de fonctionnaires de haut vol, méconnus des Français. Comment ça va ? Ça va ? Non mais allô ? Nathalie Goulet est sénatrice de l'Orne. Et depuis 8 ans maintenant, elle tente de mobiliser ses collègues pour lever le voile sur des diplomates discrets et qui semblent échapper à tout contrôle. Donc, les ambassadeurs thématiques, c'est ça qui vous intéresse ? Les ambassadeurs thématiques. Dans la presse, quelques rares articles évoquent ces hauts fonctionnaires en s'interrogeant sur leurs missions obscures. Ce qu'on appelle aussi les ambassadeurs itinérants, des diplomates mystérieux dont beaucoup ignorent l'existence. Cela fait des années que la sénatrice tente d'en savoir plus sur leur compte. Alors, oui, il n'est jamais très loin. Il n'est jamais très loin parce que c'est une de mes marottes. Chaque année, Nathalie Goulet tente de mettre à jour ses informations sur ses hauts fonctionnaires sans ambassade, mais qui travaillent officiellement pour le ministère des Affaires étrangères. Bah voilà la liste. Alors vous avez un ambassadeur délégué à la communauté pacifique, l'environnement, Antille-Guyane, le sida. Des ambassadeurs voyageurs aux missions, parfois très vagues. Celui-là, il a ma préférence, il est chargé de la prévention des conflits. A priori, il ne prévient rien. Voilà. Et d'ailleurs, on ne sait pas où le prévenir parce qu'on ne sait pas où il est. A priori, au Quai d'Orsay, comme bon nombre de ces ambassadeurs thématiques. C'est Jacques Chirac qui, le premier en 1998, a eu l'idée de créer ces ambassadeurs itinérants, à l'origine pour suivre le sommet du millénaire. Une conférence censée préparer le monde aux grands changements du 21e siècle. Depuis, le sommet est passé, mais les ambassadeurs sont restés avec des missions très hétéroclites. Un ambassadeur pour les commissions transfrontalières et la commission internationale des Pyrénées, ça nécessite vraiment qu'on ait quelqu'un. Sur cette liste, la dernière en date que la sénatrice a pu se procurer, on trouve une trentaine de noms. Des diplomates de carrière, mais pas seulement. Il y a par exemple d'anciens ministres comme Brice Lalonde, chargé du changement climatique, Gilles de Robien à la promotion de la cohésion sociale, ou Renaud Donnedieu de Vabre auprès de la présidence française à Bruxelles. On y découvre également d'anciens élus locaux, comme Claudine Ledoux, ex-maire de Charleville-Mézières, ou encore Serge Lepelletier, ancien maire de Bourges. Enfin, parmi ces ambassadeurs, des gens de la société civile, des avocats ou encore des journalistes, comme Olivier Weber, nommé en 2007, ambassadeur chargé de la lutte contre la criminalité organisée. Depuis des années, Nathalie Goulet cherche à obtenir des informations, notamment sur les salaires de ses hauts fonctionnaires. Mais elle se heurte à la plus grande opacité. Il n'y a aucun chiffre, zéro. Non, moi j'en ai jamais eu. C'est l'absence de transparence qui est crispante. Le seul document que nous avons réussi à nous procurer sur leur salaire, c'est ce rapport du Sénat, datant de 2011. Aucun nom, mais la rémunération de certains de ces ambassadeurs thématiques. À l'époque, celui chargé des droits de l'homme, par exemple, touchait plus de 160 000 euros par an, soit 13 000 euros par mois, sans compter 29 000 euros de frais de mission
et 4 000 euros de représentation. L'ambassadeur, chargé de la lutte contre la criminalité organisée, touchait lui 145 000 euros, soit 12 000 euros par mois, sans compter là aussi les frais divers. Selon les estimations de Nathalie Goulet, ces ambassadeurs itinérants coûteraient 10 millions d'euros contribuables. Mais alors, sont-ils vraiment utiles ? Nous avons appelé le ministère des Affaires étrangères pour tenter de joindre plusieurs de ces ambassadeurs, et notamment Claudine Ledoux. Bonjour monsieur, je vous appelle parce que je cherche le bureau d'un ambassadeur thématique, celui de Claudine Ledoux, qui est ambassadrice déléguée à la coopération régionale dans l'océan Indien. Mais voilà, Claudine Ledoux, comme plusieurs ambassadeurs que nous avons contactés, n'a pas souhaité répondre à nos appels. Un seul de ces diplomates a accepté notre caméra. Alors à quoi peuvent-ils bien servir dans les coulisses de l'État ? 9h du matin, sous le soleil parisien, Véronique Roger-Lacan se rend sur les bords de Seine, au quai d'Orsay, le siège du prestigieux ministère des Affaires étrangères pour lequel elle travaille. À 50 ans, elle est l'un de ces fameux ambassadeurs itinérants. Bonjour. Véronique Roger-Lacan, une juriste spécialiste de l'Asie et qui a toujours gravité dans ces couloirs feutrés de la République où se côtoie le gratin de la diplomatie française. Voilà, mon ami Alexandre, ça va ? Tu me fais un petit bisou ? En tout, ils sont 500 hauts fonctionnaires à travailler comme elle au Quai d'Orsay. Alexandre, qui est sous-directeur des menaces transverses. En clair, la lutte antiterroriste. Les affaires étrangères, un ministère où travaillent beaucoup des plus gros salaires de l'administration. Ça paraît étonnant, mais en fait, ils sont plus de 600 hauts fonctionnaires à gagner plus que le numéro 1 de l'État, François Hollande lui-même, avec ses 12 000 euros nets par mois. Des diplomates, avec une ambassade, d'autres avec un simple bureau où ils passent de temps à autre, comme Véronique Roger-Lacan et ses collègues, les ambassadeurs thématiques. Alors, il y a d'autres ambassadeurs thématiques. Voilà, l'ambassadeur Andrieux, qui est coprésident du groupe de Minsk, qui est un groupe qui s'occupe du Caucase. Michel Ramis, qui est l'ambassadrice chargée de la criminalité organisée. Il y a 2 ans, voilà. Véronique Roger-Lacan, elle, a été nommée ambassadrice chargée de la lutte contre la piraterie maritime. Un fléau qui fait régulièrement la une de l'actualité depuis 10 ans, avec son lot de prises d'otages plus ou moins sanglantes, d'opérations militaires et de navires rançonnés en Somalie ou dans le golfe de Guinée. Pour remplir sa mission, Véronique Roger-Lacan dispose de ce bureau au Quai d'Orsay et d'une secrétaire. Viens Lisa, tu... Pardon, je voulais juste savoir à quelle heure on partait et si on partait. Il faut qu'on parte à moins 10, à moins le quart. D'accord, moins le quart. Et a priori, elle est débordée, car l'essentiel de son temps, Madame l'ambassadrice le passe en voyage aux quatre coins du monde pour tenter d'endiguer les attaques de bateaux qui se multiplient ces dernières années en Afrique. On a eu une réunion importante les 11 et 12 mai à Pointe-Noire au Congo. Début juin, j'ai une réunion ici à Paris. Le 24, je vais à Bruxelles. Ensuite, le 2 juillet, je vais à Lisbonne. Et le 6 juillet, du 6 au 8 juillet, je vais à New York parce qu'il y a une réunion du groupe de contact sur la lutte contre la piraterie au large de la Somalie. Voilà, c'est assez lourd. Beaucoup de voyages et beaucoup de frais de mission aussi. Mais justement, en quoi consistent ces missions ? Hélène, vous voulez qu'on aille à l'hôtel du ministre ? Oui. Pour tenter de le comprendre, bravo. Nous suivons Véronique Roger-Lacan qui ne chôme pas ce matin-là. Quand elle n'est pas en voyage, l'ambassadrice itinérante reçoit sous les ors du ministère avec ses magnifiques salons en enfilade. Un palais majestueux à l'image de la France qui entretient aujourd'hui encore le 3e réseau d'ambassades au monde, après les États-Unis et la Chine. Et on est en chambre du roi dans l'hôtel du ministre. Le Quai d'Orsay a même longtemps servi de résidence officielle pour les souverains étrangers de passage en France. Je vous montre. Pour preuve, cette salle de bain avec sa baignoire en or, construite en 1938 pour la venue du roi d'Angleterre, George VI, à Paris.
Voilà pourquoi ça s'appelle la chambre du roi. Ce jour-là, c'est dans la pièce voisine que Véronique Roger-Lacan va tenter de remplir sa mission. Lutter contre la piraterie maritime, qui sévit ces derniers mois principalement dans le golfe de Guinée. Pour cela, elle a convoqué les ambassadeurs en France de plusieurs pays africains voisins de la zone et qui reçoivent l'appui de la France. Vous êtes l'ambassadeur de Guinée. Vous avez trouvé votre nom quelque part. Chacha Guinée-Bissau. Bonjour madame. Mais autour de la table, on trouve aussi des diplomates et des militaires français. Une trentaine de personnes au total. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Nous pensions que nous pouvions faire un bilan des progrès accomplis. Pendant une heure, chaque ambassadeur africain va intervenir tour à tour. Tous comptent sur le soutien militaire de la France pour lutter contre les pirates des mers. Comme l'ambassadeur de Sierra Leone, l'un des pays les plus pauvres du monde. Je voulais exprimer ma gratitude pour l'engagement des hommes de la République française pour nous aider dans ces conditions difficiles. Votre intervention a souvent fait la différence. Or justement, si Véronique Roger-Lacan est en poste depuis 2 ans pour s'occuper de ce problème, en réalité elle est loin d'être la seule à gérer ce dossier. D'autres fonctionnaires travaillent sur la question depuis bien plus longtemps. Ils sont d'ailleurs présents ce jour-là autour de la table. Je passe la parole peut-être à Véronique Voulant pour un mot politique. Au Quai d'Orsay, par exemple, la patronne chargée des affaires africaines connaît bien le sujet. Au nombre des actions que nous souhaitons renforcer, il y a cet aspect piraterie maritime qui n'est pas mineur. Mais depuis des années, c'est surtout la marine qui est sur le coup. Ce jour-là, 2 amiraux assistent d'ailleurs à la réunion. Et l'un d'eux va rassurer l'ambassadeur de Sierra Leone et ses collègues africains. Pour nous, c'est très important d'avoir votre vision des problématiques dans le golfe de Guinée. Je dois dire que beaucoup de choses ont été faites depuis quelques années. Et il s'agit donc de former et d'entraîner un peu à la carte vos marins. C'est quelque chose qui marche, c'est quelque chose qu'on va continuer à faire, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez compter sur notre soutien. Mais alors, au-delà de présider cette réunion, au milieu de tous ces officiers étoilés, quel est le rôle exact de Véronique Roger-Lacan ? Merci, amiral Duché. À l'issue de cette rencontre, nous allons avoir un début de réponse. De retour dans son bureau, madame l'ambassadrice va dresser un compte-rendu des discussions du jour. Donc là, par exemple, sur le golfe de Guinée, je vais écrire ce compte-rendu à tous les ambassadeurs de France, du Sénégal à l'Angola. Un compte-rendu confidentiel, comme la plupart des échanges diplomatiques. Pas de traces officielles. Difficile dans ce cas d'évaluer l'utilité d'un tel poste. Mais sur votre fonction, vous n'avez pas d'obligation de résultat, par exemple. Si, parce que s'il y a un acte de piraterie contre des intérêts français, on va dire, l'ambassadrice piraterie, qu'est-ce qu'elle fout ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Donc il y a un peu une présomption du travail fait. Et quand il y a un problème, on ne se comprend pas pourquoi le problème est arrivé. C'est ça. Mais Véronique Roger-Lacan le reconnaît, l'essentiel du travail est fait par d'autres. Ben non, vous avez Elle est surtout là pour mettre de l'huile dans les rouages. C'est surtout la marine qui gère tout ça, mais nous ce qu'on fait c'est surtout du travail de... en anglais, on dit advocacy. Advocacy, qu'on pourrait traduire par un travail d'influence. On fait passer des messages et on essaie de faire de sorte que tout infuse dans les diplomaties et les coopérations étatiques. Voilà. Pour ce travail, Véronique Roger-Lacan déclare toucher 5 000 euros par mois, hors frais de mission. Un poste qu'elle occupe depuis 2 ans, mais dans quelques semaines, elle va quitter le Quai d'Orsay pour une nouvelle affectation. La diplomate vient d'être nommée à Vienne, en Autriche. Au revoir, merci. Elle va devenir représentante auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Dans quelques semaines, Véronique Roger-Lacan sera remplacée au poste d'ambassadeur contre la piraterie maritime. Alors, ces ambassadeurs thématiques sont-ils tous vraiment nécessaires ?
À en croire certains, la réponse est loin d'être évidente. Nous avons réussi à joindre un autre ambassadeur qui apparaissait sur la fameuse liste. Il a accepté de nous répondre par téléphone, mais ne souhaite pas que son nom soit dévoilé. Loin de Paris, cet ex-diplomate a finalement quitté la haute fonction publique pour se retirer en province. Pendant 5 ans, il a pris sa mission à cœur, mais garde un souvenir mitigé de ce poste. On a fait un rapport d'ailleurs avec un préfet là-dessus, toute une série de recommandations qui ont été d'ailleurs absolument pas suivies d'effet. Les rapports, il y en a à peu près une fois par semaine, je dirais tous les jours, des rapports qui sont faits, et puis qui vont encombrer ensuite les armoires, et dont personne ne se soucie. Voilà. Un ex-ambassadeur très sceptique sur l'utilité de ces diplomates itinérants. Je pense qu'on pourrait en supprimer les 3/4. Si vous voulez, beaucoup de gens se contentent de faire semblant. Moi, ça m'a un peu fatigué sur le long terme. Et alors que partout, l'heure est aux économies, vous allez voir qu'au sommet de l'État, il y aurait bien des moyens de renflouer les caisses et de faire baisser nos impôts. Notamment au regard de certaines institutions de la République qui ont accumulé d'énormes patrimoines au fil des années et les gèrent dans la plus grande opacité. Lors de notre enquête, nous nous sommes intéressés à l'une des plus célèbres du pays, l'Académie française. Sur les quais de Seine, elle siège sous la magnifique coupole de l'Institut de France, une institution fondée sous Louis XIII qui abrite les fameux académiciens chargés de faire évoluer la langue française. Les immortels, comme on les surnomme, reçus sous la coupole en habits vert et or pour leur intronisation. Des cérémonies solennelles, comme pour Simone Veil en 2010. L'Académie, une institution à part, placée sous la protection exclusive du président de la République. Une assemblée au service du savoir et de la France, et qui accueille donc les personnalités les plus illustres du pays. Des politiques, comme l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, ou encore des écrivains comme Jean d'Ormesson, le doyen, qui siège ici depuis 40 ans. Ce que vous êtes d'abord, c'est courageuse. Et les Français aiment le courage. L'Académie française, la plus connue, car au sein de l'Institut de France, il existe aussi l'Académie des sciences ou celle des beaux-arts. En tout, 700 académiciens sont chargés de promouvoir les arts, les sciences et les lettres. Des grandes personnalités récompensées par la nation, avec tous les honneurs qui vont avec. Sur les bords de Seine, à quelques encablures de l'Académie, c'est sur une péniche que l'un de ces fameux académiciens travaille, en dehors de ses passages sous la coupole. Jacques Rougerie est l'un des plus célèbres architectes français. Bonjour, bonjour. Belle journée, hein. Depuis 30 ans, c'est ici, dans son bureau flottant, qu'il travaille sur sa spécialité, l'habitat sous-marin. Des immeubles ou encore des musées bâtis sous les océans. Il faudrait qu'on regarde bien l'accroche là, entre la verrière et la toiture. Une notoriété internationale qui lui a permis d'entrer à l'Académie des Beaux-Arts il y a 5 ans. Bien. Or justement, ce matin-là, il doit se préparer comme chaque année pour un rituel immuable, la grande session de rentrée des académiciens. Et pour ne rien laisser au hasard, Jacques Rougerie fait un petit essayage du fameux uniforme qu'il conserve précieusement. Bon, là, j'ai un peu grossi. Ah, là, si, voilà, un peu. C'est la veste. Le célèbre habit vert bardé de palmes académiques est confectionné sur mesure pour son arrivée sous la coupole. Ça a pris 3 mois pour faire l'habit, parce que tout est brodé, là. Tout est complètement brodé. Et puis de fil d'or. Et combien ça coûte? Un costume d'académicien comme celui-ci vaut aux alentours de 25 000 euros. Donc c'est pas donné. Que le costume, bien entendu. Car il y a aussi l'épée, symbolisant la vie de chaque académicien. De véritables œuvres d'art qui peuvent coûter jusqu'à 70 000 euros pièce. Celle-ci représente un animal de mer. L'œil, c'est une perle rare, extrêmement rare, qui vient des Tuamotu. Une panoplie très luxueuse. Mais qui paye la facture?
A priori, pas le contribuable. La tradition veut que l'habit et l'épée soient offerts par les amis de l'académicien qui font office de mécène. Le nœud papillon, c'est parfait. Il faut dire que ce n'est pas avec son indemnité d'immortel que Jacques Rougerie a pu se payer tout ce décorum. A priori, son travail à l'académie est totalement désintéressé. On a un petit défraiement qui est symbolique, voilà, qui est de l'ordre, je crois, de 250 euros par mois. Mais c'est normal, on est là, c'est, bon, il faut faire don de son temps, de ses passions, les faire partager. Voilà, donc vous n'allez pas à l'Institut pour toucher une rente. Je ne crois pas qu'il y ait des académiciens qui aient cet état d'esprit du tout, non. Jacques Rougerie n'est pas devenu académicien pour s'enrichir. Pourtant, l'institution pour laquelle il donne de son temps est l'une des plus fortunées de la République. Bonne continuation. Nous l'avons découvert en dépit du secret qui, vous allez le voir, entoure cette institution pourtant connue de tous les Français. À plusieurs reprises, en effet, nous avons cherché à rencontrer la direction de l'Académie. En vain. Alors, comme les académiciens ont refusé de nous ouvrir les portes de la fameuse coupole, nous avons décidé de passer par l'entrée de service. Après vous. Merci. Un employé qui souhaite rester anonyme a accepté de nous servir de guide dans les coulisses de cette institution très célèbre, mais rarement ouverte aux Français. En caméra cachée et munie d'un appareil photo, nous découvrons donc l'intérieur de ce palais républicain. Dans quelques instants, la suite d'Enquête d'actualité. Vous découvrirez les coulisses de l'Académie française. Et vous verrez comment l'argent de l'État sert notamment à financer des appartements de fonction et des avantages en nature dont bénéficient les académiciens. Ils ne payent pas de loyer, ils ne payent évidemment pas l'électricité, pas les transports, ils ont des voitures avec chauffeur. Quasiment tout est payé. Vous allez voir aussi comment vos impôts servent à financer de grands travaux. Par exemple, pour construire ce musée le plus cher de France, il a coûté 6 fois plus d'argent aux contribuables que ce qui était prévu au départ. Et puis d'autres membres qui ont dit « nous ne voulons pas savoir quel est le budget parce que nous voulons voter pour le plus beau des projets ». L'Académie française, nous l'avons découvert, est une institution entourée de secrets et aussi l'une des plus fortunées de la République. À plusieurs reprises, nous avons cherché à rencontrer la direction de cette institution, en vain. Alors, comme les académiciens ont refusé de nous ouvrir les portes de la fameuse coupole, nous avons décidé de passer par l'entrée de service. Après vous. Merci. Un employé qui souhaite rester anonyme a accepté de nous servir de guide dans les coulisses de cette institution très célèbre, mais rarement ouverte aux Français. En caméra cachée et munie d'un appareil photo, nous découvrons donc l'intérieur de ce palais républicain. Un magnifique monument, depuis toujours mis à la disposition de l'Académie par l'État et gratuitement. Avec évidemment la fameuse coupole où se déroulent les grandes cérémonies. Les discours des académiciens se font à ce pupitre, avec deux huissiers de part et d'autre. Un peu plus loin, au détour d'un couloir, voici la bibliothèque privée des académiciens. 200 000 ouvrages anciens, dont certains remontent à la Renaissance, sous la surveillance d'une conservatrice. Des pièces qui sont uniques. Il y a notamment une collection de Léonard de Vinci, c'est ça ? Oui, là, c'est la partie visible de l'iceberg. On a des magasins sur 9 étages. Des lieux où les académiciens travaillent ou reçoivent en grande pompe, comme dans ces salons du XVIIIe siècle. Tout ici respire la monarchie. L'Académie, où travaillent 300 employés, dont une majorité de fonctionnaires. Bonjour. Des huissiers, des jardiniers ou des informaticiens. Payés par l'État, chacun de ces agents touche en moyenne plus de 34 000 euros par an, selon ce document de la Cour des comptes. Cela fait près de 3 000 euros par mois, un bon salaire. N'hésite pas à m'appeler tout à l'heure, d'accord, je passerai. Merci beaucoup. Hein. L'État, qui assure aussi une partie de la rémunération des dirigeants de l'institution. Élus par leurs pairs académiciens, il y a le chancelier, Gabriel de Breuil, ici au milieu, entouré de deux de ses secrétaires perpétuels, les patrons des différentes académies. Le chancelier qui touche par exemple plus de 9 000 euros par mois. Au total, l'État verse chaque année plus de 10 millions d'euros aux académiciens. Mais voilà, ce n'est qu'une petite partie de leur budget. Car en réalité,
l'institution est à la tête d'une fortune colossale, accumulée au fil des années, grâce à sa place un peu à part dans la République. Dans ce rapport, publié en avril dernier par la Cour des comptes, les magistrats ont fait le calcul. L'Académie est à la tête d'un patrimoine évalué à plus d'un milliard et demi d'euros. Beaucoup l'ignorent, mais l'institution possède par exemple une quarantaine d'immeubles dans Paris. Il y a aussi des châteaux comme celui de Chantilly ou celui de Langeais. L'Académie détient aussi de grands musées parisiens comme Jacquemart-André ou Marmottan. Sans oublier les propriétés luxueuses comme la villa Effroussy, un joyau de la Côte d'Azur. Enfin, l'Institut possède un énorme patrimoine financier, plus d'un milliard d'euros sur des comptes bancaires. Tout ce patrimoine a été légué au fil des années par de généreux donateurs, des grandes fortunes et des entreprises qui deviennent mécènes en créant une fondation parrainée par les immortels. Il y en a plus de 1000 à l'Institut de France. Par exemple, celle de l'assureur Allianz, celle d'EDF ou encore du groupe Énergie. Des fondations qui parrainent des travaux de recherche ou des bonnes œuvres, mais qui permettent surtout au bienfaiteur, en échange de sa générosité, de réduire ses impôts de 66% du montant du don. Rien d'illégal, mais en contrepartie de ces millions d'euros qui échappent aux impôts, l'État réclame évidemment toute la transparence. Or, dans son rapport d'avril dernier, c'est la plus grande opacité qui règne à l'Académie. Par exemple, sur le manque à gagner qu'elle occasionne en termes d'impôts avec toutes ses fondations. Ce dispositif est à l'origine de moins-values fiscales, dont le montant devrait être évalué par l'État et connu du Parlement. L'Institut de France brasse donc des millions d'euros défiscalisés et sans rendre de compte. C'est ce que nous a confirmé un ancien dirigeant de l'Académie que nous avons joint par téléphone et qui souhaite rester anonyme. Il évoque notamment la fondation Claude Monet, à Giverny, propriété de l'Académie des Beaux-Arts, un musée consacré aux peintres. Quand vous avez à Giverny un musée qui est remarquablement géré et donc qui dégage plein de revenus annuels pour payer aucun impôt, n'importe quel magasin de chaussures, quand il est bien géré, qui dégage plein de revenus, paye des impôts sur les sociétés. Donc il y a effectivement une loi particulière qui bénéficie à l'Institut. Tant mieux pour l'Institut, tant mieux pour les académies, mais c'est vrai que la contrepartie de ça, ça doit être une moralité absolue dans la gestion des fonds. Or, cette gestion est on ne peut plus opaque. Le rythme annuel des dons, par exemple, serait de l'ordre de 20 millions d'euros. Mais impossible de savoir exactement ce que les académiciens font de tout cet argent. C'est a priori que des grands messieurs à l'Institut, c'est que des grands savants, ce sont des prix Nobel, ce sont des grands écrivains, ce sont des grands scientifiques, ce sont des grands érudits. Donc il n'y a pas de contrôle par les administrations d'État de l'emploi des fonds. En effet, selon cette loi de 2006, l'Académie, sous la seule protection du président de la République, ne dépend plus d'aucun ministère. Sauf qu'à ce jour, l'Élysée n'a toujours pas décidé de regarder de plus près la façon dont l'Institut de France gère sa fortune. C'est donc finalement la Cour des comptes qui a fait son enquête. Elle en a tiré un rapport accablant. Les magistrats évoquent un gaspillage d'argent public, marqué par des dérives, et l'existence de régimes de faveur. Pour tenter d'en savoir plus, nous retrouvons l'employé qui nous guide dans les coulisses des académiciens. Les dirigeants de l'institution, par exemple, peuvent bénéficier d'un logement de fonction juste à côté, dans les ailes de ce palais de la République. Des appartements de fonction pointés du doigt par la Cour des comptes. En effet, les logements, ici mais aussi en plein Paris, seraient attribués gratuitement et sans aucune justification. 200 appartements environ, comme celui-ci, dans les plus beaux quartiers, légués par les donateurs. Et si ces logements ne conviennent pas aux académiciens, l'institution n'hésite pas à sortir le chéquier. Ainsi, pendant 20 ans, l'Académie a payé à ses frais le loyer du secrétaire perpétuel de l'Académie française, logé dans un 7 pièces en duplex, pour plus de 5 400 euros par mois.
À sa mort, elle a même décidé d'accorder une compensation à sa veuve, une participation financière de 3000 euros par mois. L'académie, comme nous le confirme l'employé qui nous guide, ne regarde pas à la dépense avec ses pensionnaires. Il ne paye pas de loyer, il ne paye évidemment pas l'électricité, pas les transports, ils ont des voitures avec chauffeur. Quasiment tout, tout est payé. Donc il y a un certain nombre d'avantages en Suisse, des indemnités versées par l'Institut. Et vous allez voir que tout cet argent, exempté d'impôts pour profiter à des œuvres de mécénat, est aussi utilisé de façon inquiétante. Loin des arts, des sciences et des belles lettres, les académiciens prennent beaucoup de risques avec les millions d'euros dont ils bénéficient avec le soutien de l'État. Nous en avons eu la confirmation dans Paris, auprès d'un homme qui a longtemps travaillé pour cette institution. Christian Cambier a été pendant 18 ans le gestionnaire de fortune, mandaté par les académiciens pour faire fructifier une partie de l'énorme pactole légué au fil du temps par les donateurs. L'argent de l'Institut, c'est l'argent des fondations, c'est l'argent des académies. Tout ça fait un pot commun qui était de l'ordre de 500 millions. Et cet argent est géré en masse. Donc moi, j'en avais un bout. J'ai des copains qui en avaient un autre bout. La part confiée à Christian Cambier, 140 millions d'euros, les académiciens vont lui demander de la placer en bourse. Un portefeuille en actions alimenté par d'énormes montants et qu'il va faire fructifier jusqu'en 2007, profitant de l'envolée des marchés. On m'a remis de l'argent en plusieurs époques, hein, tant de millions, 10 millions, etc. J'étais flatté de la confiance. Le problème, c'est que l'embellie ne va pas durer. En 2008, c'est la crise financière, la bourse s'effondre. Les académiciens paniquent et demandent alors à Christian Cambier de vendre leurs actions en chute libre. Un très mauvais choix selon lui. Ils ont liquidé mon portefeuille en une journée. Une journée. Tout. Ce qui ne se fait pas. On ne liquide pas un portefeuille de 80 ou 100 millions en une journée. Ça ne s'est jamais vu. À l'académie, personne n'a voulu répondre aux déclarations de l'ancien gestionnaire de fortune. En tout cas, selon les magistrats, 11 millions d'euros sont bien partis en fumée en quelques jours. Et les académiciens vont faire la même erreur en 2009, comme le souligne la Cour des comptes. L'absence de véritable stratégie s'est traduite par des pertes de plusieurs millions d'euros. Des fortunes dilapidées en pure perte dans l'une des institutions les plus connues des Français. Le problème, c'est que ces gens-là n'étaient pas des gens de marché. Ils ne le sont toujours pas, d'ailleurs. Des académiciens brillantissimes, illustres, très connus, mais qui, d'abord, ne sont plus en contact avec la réalité quelquefois depuis longtemps, qui n'ont quelquefois jamais géré, d'ailleurs, de portefeuille, et quelquefois qui ont atteint un âge respectable. Certaines institutions comme l'Académie bénéficient donc d'avantages fiscaux, alors que les Français, eux, sont mis à contribution. Et une chose est sûre, les contribuables sont de plus en plus attentifs à la bonne utilisation de leurs impôts. Or, il y a un domaine dans lequel les dérapages budgétaires sont réguliers, les grands travaux. Salles de spectacle, stades ou grandes administrations, des bâtiments financés par les citoyens et qui voient leurs coûts s'envoler. Le dernier en date a mis en émoi l'une des plus grandes villes françaises en battant tous les records de dépenses. Nous sommes à Lyon. Et ici, au cœur de la troisième ville de France, il y a un sujet sur lequel les habitants sont plutôt amers. C'est cet imposant bâtiment de verre et d'acier posé sur les berges du Rhône. C'est quand même énormément d'argent. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autre chose et coûter un petit peu moins cher, faire un musée? Oui, ok, d'accord, mais à ce prix-là... Le musée des Confluences, un édifice aux allures de vaisseau spatial qui a ouvert ses portes en décembre dernier. Les Lyonnais auront attendu 15 ans avant de découvrir ce musée entièrement dédié à l'histoire de l'humanité. Mais qui détient surtout un record, c'est le plus cher de France, 328 millions d'euros. Un budget pharaonique, 6 fois ce qui était prévu au départ. La polémique s'étale d'ailleurs dans la presse depuis des mois. Très cher musée, scandale financier. Mais alors, comment le coût de ce chantier a-t-il pu déraper jusqu'à dépasser les 300 millions d'euros aux frais des contribuables lyonnais? Pour le découvrir, nous avons d'abord adressé une demande pour visiter ce fameux musée.
Mais après 4 mois de négociations, voici la réponse négative. La direction ne serait pas disponible. Nous avons donc décidé de nous y rendre, comme n'importe quel visiteur, avec notre appareil photo. Bonjour. Bonne visite. Merci. À l'intérieur, voici ce qu'on découvre. Un immense espace avec plus de 3000 pièces exposées pour raconter les origines de l'homme. Avec, en vedette, ce squelette de mammouth le premier découvert en France. Un vaste musée comparable à celui du Quai Branly à Paris ou au Mucem de Marseille, sauf qu'il a coûté 100 millions d'euros de plus. Une affaire qui fait grand bruit. Pourtant, à l'origine, c'est l'histoire de quelques citoyens, des contribuables lyonnais qui en ont fait un combat depuis des années. Allez, vas-y. Nous sommes dans la banlieue de Lyon. Petit détail. Jean-Pierre et Michel sont parmi les premiers à avoir découvert les dessous de l'affaire. Ce qui pourrait ressembler, selon eux, à un énorme gaspillage d'argent public. Toute cette histoire commence donc en 1999. À l'époque, le Conseil général du Rhône a un projet ambitieux, faire construire un grand musée à Lyon. Il lance donc un concours international auprès de grands architectes. Et au départ, le règlement que nous nous sommes procuré est un peu plus clair. Voici ce qu'on peut y lire. L'enveloppe financière prévue pour les travaux est d'un peu moins de 47 millions d'euros. Un budget a priori raisonnable. Pour Jean-Pierre, il est surtout destiné à ne pas effrayer les contribuables. Donc c'est une estimation à minima. Et ça permet de faire passer la pilule en disant que ça ne va pas coûter trop cher. Estimation pour les architectes. Le concours débute et 7 architectes venus du monde entier se présentent, avec chacun son projet. Il y a des propositions françaises, américaines ou espagnoles de ce futur grand musée en bord de fleuve. Mais c'est ce projet, celui d'un cabinet autrichien, qui va finalement décrocher le marché. A priori, en respectant l'enveloppe prévue de 47 millions d'euros. En réalité, certains comprennent déjà que la facture s'annonce beaucoup plus salée pour les contribuables lyonnais. À Paris, nous avons retrouvé l'un des architectes qui était en lice, lui aussi, pour construire le musée des Confluences. Je vais t'expliquer exactement comment ça fonctionne. Ça, c'est le plan de zonage de Haise. Felice Fanuel est un architecte italien renommé. Cela fait 45 ans qu'il construit des immeubles ou des musées à travers le monde. Et ce point rouge que tu vois ici, c'est mon projet qui est en cours. Voilà. À l'époque, quand le Conseil général du Rhône lance son grand concours international, Felice, en compétition avec les 6 autres architectes, propose ce projet. Alors voilà, vous voyez, c'est une tour, un deuxième tour. Un musée original, mais son idée n'est pas retenue. Seulement, quand Felice découvre le gagnant, il tombe des nues. Le jury a sélectionné le projet le plus complexe à réaliser, disproportionné par rapport à tous les autres. Un bâtiment monumental de 200 mètres de long, baptisé « Nuage de cristal ». C'est le plus volumineux du concours, il pèse 3 fois le poids de la tour Eiffel. Selon Felice, son coût explose manifestement l'enveloppe de 47 millions d'euros fixée au départ. C'est-à-dire que c'est très compliqué à réaliser parce que d'abord il y a beaucoup de verre. Mais comme vous voyez ici, il y a une grosse structure en métal, il y a des structures différentes. On s'aperçoit à travers ces formes un peu complexes que quand même les charges, la répartition des charges pour les fondations sont plus complexes. Aujourd'hui, avec l'informatique, tout ça, on sait tout faire. Mais on sait aussi très bien qu'à un certain moment, il y a des réalités économiques. Un projet trop ambitieux pour l'enveloppe allouée au départ, la note a été manifestement sous-évaluée. Une pratique qui serait répandue dans ces grands chantiers brassant l'argent public, avec souvent des élus en quête de projets spectaculaires. Il y a une question dans tous les projets. Vous faites le projet dans ce prix-là. Il y a des gens qui disent, une fois qu'ils seront embarqués dans le bateau, ça va passer. Et moi, j'ai vu, ça fait 45 ans que je fais ce métier-là, et j'ai vu des projets qui disaient qu'ils étaient dans un prix, mais tout le monde savait qu'ils ne pouvaient pas être dans le prix. Pourtant, en faisant cela, l'architecte ne craint pas grand-chose. Devant la loi, il n'est pas responsable du prix tant que les entreprises de BTP sous-traitantes n'ont pas annoncé leur propre devis. Le problème dans cette affaire, c'est que manifestement, certains avaient prévenu
que le fameux nuage de cristal ne rentrerait jamais dans le budget. Pour preuve, avant même que le jury ne tranche, la CERL, la société chargée de gérer le chantier pour le compte du département, rédige une note confidentielle pour alerter le président du Conseil général, Michel Mercier. À l'origine du projet, l'élu est mis au courant de l'explosion prévisible du budget. Nous avons joint le président de cette société, Éric Brassard, un professionnel du bâtiment. Et il nous le confirme. À l'époque, dans sa note, il tire la sonnette d'alarme. Pour la seule charpente, par exemple, la note est supérieure de 3 millions d'euros car il faut rajouter des tonnes d'acier au devis initial. Le projet est plus grandiose que prévu. La structure est unique, c'est le chantier le plus compliqué au monde de la décennie. Aucune pièce en acier n'est la même, donc à la fin des fins, il y a eu plus d'acier que prévu parce qu'il valait mieux sécuriser. Voilà. Selon Éric Brassard, à l'époque, avant même le premier coup de pioche, le jury était donc au courant que la facture allait exploser pour le contribuable. Le jury a délibéré avec des membres sachant parfaitement, sans le dire tout haut, que le budget c'était le double, et puis d'autres membres qui ont dit « nous ne voulons pas savoir quel est le budget, nous refusons d'en avoir connaissance et nous ne voulons pas entendre la CERL nous dire ce qu'ils en pensent parce que nous voulons voter pour le plus beau des projets. » Le plus beau des projets qui va virer au cauchemar pour le contribuable. Car le lancement du chantier que l'on peut voir sur ces images va réserver de bien mauvaises surprises aux concepteurs du musée qui ont sous-estimé certaines difficultés. C'est ce qu'ont découvert Jean-Pierre et Michel, les contribuables lyonnais en colère. Et là-bas. D'abord, le bâtiment est situé en bord de fleuve, dans une zone sablonneuse. Pas idéal pour construire un tel édifice. À la confluence d'un fleuve et d'une rivière, il y a des alluvions. Parce que c'est là que tout se dépose. Donc, il est ce qu'il est, le terrain. Mais il faut savoir qu'il faut aller chercher les fondations solides très profondément. Or, dans ce rapport, des experts missionnés par le département sondent le terrain avant d'engager les travaux. Pour trouver des gravillons et du sable relativement compacts, ils recommandent de creuser jusqu'à 20 mètres de profondeur. Ont-ils sous-estimé le poids du bâtiment ou mal sondé le terrain ? En tout cas, une fois le chantier en route, les architectes réalisent très vite qu'il va falloir creuser bien plus profond pour ancrer les fondations de cet énorme musée. Les trois piles centrales, monumentales comme ils les appellent, sont fondées à 31 mètres. Donc c'est très onéreux. Très onéreux. Résultat des courses, en quelques mois, le coût du chantier va effectivement flamber, bien au-delà des 47 millions d'euros prévus au départ. Alors on va voir qu'au fil des années, même simplement la ligne bâtiment est rapidement passée en 2008 à 193 millions. Et trois ans après, on en était à 286 millions et s'en est resté là pour le bâtiment seul. Le bâtiment qui va mettre des années à sortir de terre, engloutissant tellement d'argent que certains aménagements prévus à l'origine passent finalement à la trappe. Et le permis de construire, j'ai dû me le procurer à la mairie du 2e arrondissement. Le voilà. Et dans ce permis, il faut prévoir le stationnement qui doit être satisfait à l'intérieur du musée pour 15 autocars, 280 véhicules légers et 15 motos. Donc c'est dans le programme, c'est dans le permis de construire, mais c'est pas dans le musée. Donc le musée n'a pas été construit conformément au permis de construire. Apparemment, ça n'a dérangé personne. Pour en savoir plus sur toute cette affaire, nous avons tenté de joindre à plusieurs reprises le cabinet d'architectes autrichiens qui a gagné le concours et conçu le musée. Ils n'ont jamais répondu à nos sollicitations. Nous avons aussi contacté Michel Mercier, l'ex-patron du département à l'origine du projet, pour recueillir son point de vue sur toute cette affaire, en vain. Sa seule réaction, il l'a donnée en décembre dernier lors de l'inauguration du musée. Madame la ministre, monsieur le ministre. Et manifestement, Michel Mercier assume ses choix. Une chose est vraie, c'est cher. Et je n'en disconviens pas. Mais je ne suis pas bien malin. Mais je me suis dit, il y a quand même
d'autres musées qui viennent de se faire en France. Et je dis à ma secrétaire, appuyez donc sur ce bouton pour me sortir le prix du MUCEM à Marseille. 10 700 € le mètre carré. Puis j'ai fait pareil pour nous et j'ai trouvé pour nous 9 400 € le mètre carré. C'est du même ordre. On n'est pas plus malin que les autres, on n'est pas plus bête. En attendant, le fameux MUCEM sur le port de Marseille a lui aussi été épinglé par la Cour des comptes. Il a coûté deux fois plus cher que ce qui était prévu au départ. Des grands chantiers qui dérapent aux frais des contribuables. Sur ces dernières années à Lyon, chaque habitant en moyenne a dû payer 190 € en plus sur ses impôts pour financer le fameux musée. Des impôts locaux qui ont explosé de 70% en 10 ans. Résultat, pour soulager le contribuable, de plus en plus de communes décident de se serrer la ceinture en faisant des économies à tous les étages. Et certaines parviennent déjà à réduire la facture à coup de mesures plutôt radicales. Nous sommes à Nancy, en Lorraine, une ville de 450 000 habitants qui a décidé de réduire drastiquement son train de vie. Car malgré le faste de la célèbre place Stanislas, cette année, la mairie est confrontée à un énorme problème d'argent. Comme dans toutes les grandes villes, l'État a coupé dans ses aides. Résultat, il manque 2 millions d'euros au budget municipal. La mairie n'avait que deux solutions, augmenter les impôts de 15% ou bien tailler à tout va dans ses dépenses. C'est cette dernière solution que la ville a choisie, mais ça ne va pas sans sacrifice. Celui qui est chargé de mettre Nancy au régime sec, c'est lui, Romain Zanarotti. Le directeur financier s'est mué en cost-killer. Et depuis plusieurs mois, aucun service n'est épargné. Romain frappe tous azimuts. À la mairie, par exemple, 85 postes supprimés. Pour les élus, moins 10% sur les notes de frais. Et Romain s'est même attaqué à la collecte des ordures. Sur Nancy, il n'y en a plus que deux par semaine au lieu de trois. Ce matin-là, il s'attaque à un gros morceau, le parc automobile. La municipalité de Nancy a accumulé au fil des années des dizaines de véhicules de l'utilitaire à la berline de fonction. Donc là, c'est le listing de l'ensemble des véhicules de la ville, des 80 berlines qui appartiennent aujourd'hui à la ville de Nancy. Toutes ces voitures sont utilisées par les membres du cabinet du maire, par les agents des parcs et jardins ou par la police municipale. Et ça pèse lourd dans les comptes de la ville. 500 000 € de budget si on inclut l'achat, l'entretien et les assurances. Alors ce matin, c'est dans la rue, au pied de l'hôtel de ville, que Romain va donner un grand coup de balai dans le garage municipal. Et voilà donc comment il va s'y prendre pour réduire le nombre de voitures de 40%. Est-ce que vous pouvez m'ouvrir le véhicule, s'il vous plaît ? Avec Isabelle, la responsable du parc automobile, Romain va passer au crible à un premier groupe de voitures, des petites urbaines, empruntées au quotidien par les agents municipaux. Et Romain ne va pas y aller par quatre chemins, il ne va conserver que les voitures les moins coûteuses, c'est-à-dire les plus récentes. C'est un véhicule qui a été immatriculé en 2010, donc il va avoir 5 ans cette année. Donc ça, c'est un véhicule qui va être conservé par les services de la mairie. Une voiture récente qui ne coûte pas plus de 150 € par an en entretien. Pourtant, Romain a du mal à cacher son agacement. Il y a un détail qui l'exaspère. Celle-là, c'est 2010 ? 2010, oui. Top. On a accès au kilométrage ? 11 000 km. 11 000 ? C'est 5 ans, 11 000 km. Gilles, c'est 15, il avait 25 ans, il devait avoir 4 000 km. C'était une horreur. Après, c'est des déplacements extrêmement courts, hein, quand même. Des véhicules récents mais qui ne roulent que 8 km par jour en moyenne. Du gâchis pour Romain. Alors le cost killer va donner des consignes pour que les services de la mairie se répartissent mieux ces véhicules, en fonction de leur activité. L'idée c'est que les véhicules roulent plus également. Qu'il y ait des sorties plus fréquentes. Qu'il y ait des sorties beaucoup plus fréquentes et qui puissent atteindre une moyenne d'environ 10 à 15 000 km par an. C'est l'objectif. Voiture suivante, elle ne passera pas le test car bien trop ancienne. Après 8 ans sur le terrain, ces petites urbaines coûtent 4 fois plus cher en entretien que les plus récentes, 600 € par an. Alors le premier réflexe de Romain, c'est de regarder tout de suite la carte grise. Ah, donc Isabelle, elle a été immatriculée quand c'est ce véhicule ? Donc c'est un véhicule qui a aujourd'hui 10 ans. Ouais, 10 ans, ouais.
Voilà. Et donc un kilométrage de 62 000 km et qui fera partie des véhicules qui vont être revendus par la ville. Au final, sur les 80 voitures que compte la mairie actuellement, il ne devrait plus en rester que 50 dans les prochaines semaines. Une économie de plus de 30 000 euros chaque année pour les contribuables. Mais voilà, pour grappiller 2 millions d'euros par an, c'est loin de suffire. Alors Romain a décidé de taper encore plus fort en faisant rentrer de l'argent dans les caisses de Nancy. Et pour cela, il a décidé de s'attaquer à un sujet sensible pour les habitants. En plein centre, voici sa nouvelle cible. L'une des mairies de quartier de Nancy, une petite annexe de l'hôtel de ville. Il en existe 8 comme celle-ci à travers toute l'agglomération. Je vais vous donner vos reçus. Vous venez avec moi. Joseph est l'un des deux agents municipaux employés ici. Sa mission, permettre aux habitants de faire toutes leurs démarches administratives à deux pas de chez eux. Des passeports aux cartes d'identité en passant par l'inscription des enfants à l'école. À venir, tout ce qui est mars, avril, en restauration scolaire. Le souci, c'est qu'entre deux usagers... Merci, à vous aussi. On sera peut-être avant la fin du mois. Ouais, au revoir, bonne journée. La petite mairie de quartier est loin de faire le plein. Il suffit de regarder la salle d'attente pour s'en rendre compte. Rien à voir avec l'affluence de certaines administrations. Résultat, Joseph n'est pas débordé et ses journées traînent en longueur. Ce jour-là, durant les 7 heures d'ouverture de la petite mairie, seule une dizaine d'usagers vont se présenter. Joseph est très disponible. Or, il y a 10 ans, c'était un peu pour cela que ces antennes de quartier avaient été créées. De manière générale, vous n'êtes pas surchargé de travail? Non, c'est fluide. C'est pour ça que les personnes du quartier qui viennent en mairie de quartier aiment venir en mairie de quartier. C'est parce qu'ils n'ont pas à attendre. Ils sont reçus différemment. Ils sont reçus avec le sourire. Le souci, c'est qu'à l'heure de faire des économies, ces mairies annexes qui coûtent 80 000 euros chacune aux contribuables de Nancy sont dans le viseur des cost killers de l'hôtel de ville. Et ils ont tranché. Le quotidien de Joseph va changer du tout au tout. En noir, en lettres majuscules, que la première page. Ce jour-là, Gaëlle, cette nancéenne du quartier, est sans le savoir l'une des toutes dernières à venir ici. Devant notre caméra, Joseph doit lui annoncer que dans quelques jours, elle trouvera porte close. Pourtant, comme beaucoup d'usagers, Gaëlle s'était habituée à cette administration express en bas de chez elle. Vous savez que la mairie va fermer ? Oui, je sais pas. À la fin du mois. Du coup, vos cartes d'identité seront retirées au centre-ville. Ça vous fait quoi que ça ferme ? Bah, sincèrement, oui, ça me dérange parce que j'habite à 200 mètres, donc c'est un peu mon quartier. Et voilà, pour le coup, c'était plutôt pratique. Ouais. Parce que bon, à l'hôtel de ville, je me leurre pas, je sais très bien que le temps de récupérer ma carte d'identité, ça va être un petit peu long, mais bon. Désormais, Gaëlle devra se déplacer à l'hôtel de ville de Nancy à 20 minutes à pied pour faire toutes ses démarches. Au total, 4 mairies de quartier comme celle-ci vont fermer leurs portes. La vente de ces locaux devrait rapporter 320 000 euros dans les caisses de la ville. C'est 20% de l'objectif à atteindre. En revanche, pas d'économie sur les effectifs, car Joseph reste fonctionnaire pour la mairie, mais il se prépare à des journées autrement plus rythmées. Et vous allez vous retrouver où ? Moi, me concernant, je me retrouve au centre-ville de l'île de Nancy. D'accord. À l'accueil. Et mes collègues, ils ont tous une affectation. D'accord. Aussi. Nancy, qui ne compte pas s'arrêter là. Dans les prochains mois, la ville espère économiser près de 10 millions d'euros au total. Résultat, dès l'an prochain, les impôts ne devraient plus augmenter pour les contribuables nancéens.